Salut à tous les mecs concours. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Léo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, j'ai mis les mots qui plagent, j'ai sorti les mots quand il fallait. Voilà les mecs, vous avez vu la dernière vidéo, je vous ai fait un mini concours, vraiment un tout petit, et je pensais pas que ça allait vous plaire autant. Et il y a eu plus de 1000 participations, et regardez les mecs. Est-ce que ça serait pas Tipar? Est-ce que demain, 24h il vous reste, j'ai mis les 5 enveloppes, 5 gagnants qui vont gagner 2 stickers de leur choix pour faire ça les mecs? C'est très simple, tu sais où il faut participer, c'est la dernière vidéo que j'ai postée où je déballais plein de pièces pour la 50. D'ailleurs merci à tous pour vos astuces, je pense qu'elle va être toute pimpante. Ok les mecs, je me suis dit demain c'est Noël, je peux pas les laisser comme ça, je dois quand même les gâter un petit peu parce que j'ai pas fait mon calendrier de l'avant que je voulais faire. Donc les mecs, eh, c'est US hein, c'est US les mecs, c'est Importate. Je vous jure, ça me fend le cœur. Pourquoi? C'est pas possible. Donc je me dis que s'il y a 60% des gens qui s'abonnent en plus, 60% de 110 000, ça doit faire à peu près 70 000. 200 000 abonnés mon pote. Moi là là, les marques, comment elles vont râler si j'ai 200 000 abonnés. Vous avez vu, j'ai mis une petite bougie, tout le monde s'en fout. Mais bref, les mecs, je compte sur vous pour vous abonner parce qu'il y en a 60% qui sont pas abonnés. Oh, qu'est-ce que vous faites les mecs, c'est gratuit, s'il vous plaît. Je vous jure, vous pouvez vous dire que ouais, il y a peut-être un autre qui va s'abonner. Mais s'il y a 10 000 personnes qui se disent ça, ça fait 10 000 abonnés en plus. Du coup, voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour avoir le collègue du cadre là. Bon, allez, je sais, il y a un peu trop loin, faut pas trop rêver. Allez, retour à la vidéo. Donc voilà les mecs, pour vous faire plaisir, une petite paire de poignées toute neuve de chez Bud Racing les mecs. Je suis pas en partenariat avec Bud Racing les mecs, mais c'est grâce à 50 Factory qui m'avait envoyé cette paire que j'ai pas réussi à monter sur la moto, je trouvais la composition pas super belle. Donc je me suis dit, tu sais quoi, pour Noël on va les faire gagner. Donc la participation elle va pas changer frérot. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu. Et dans les commentaires, je me suis pas mal fait flatter. Dans les commentaires, je vais... Ah, je sais ce que je vais faire les mecs. Pour gagner, ça va être très simple, il faut commenter Léo, les chaussures elles sont magnifiques. Et si tu me suis sur Instagram, t'as une chance de plus. La Tipa que j'étais en train de réviser mon truc là. Oh là là, faites attention les mecs hein. Il y a des petits accidents de vélo, c'est mieux de faire de la moto hein. Donc voilà les mecs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que cette vidéo elle est cool. Et ouais, bah je vais tout vous expliquer de pourquoi ce titre dans la vidéo. Bonne vidéo à tous, participez au concours. J'espère que ça sera quelqu'un qui en aura l'utilité. Malgré que t'as une trottinette, tu peux quand même participer. Et puis voilà les mecs, comme d'habitude, si vous voulez encore une vidéo demain, malgré que ça soit Noël, on fait péter les likes là, on monte frérot le compteur. On level up, 2500 pouces bleus. Et il y a une nouvelle vidéo demain, du coup là c'est à vous de gérer. Je vous laisse, moi je m'assois là, carrément je m'assois. Je vais pas mettre tout mon poids non plus parce que Vlad Tipa, si le setup il tombe, ça serait un petit peu con. Sur ce les mecs, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. On est un peu dans le coin rose et fouf. Allez, sur ce, ciao ciao. Pas de panique à bord, le fun et la vitesse à bord. Eh bah c'est nouveau ça. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Ouah, il fait froid. Mais alors là, quand je vous dis qu'il fait froid, il y a du soleil, hein, ça fait plaisir. Hein. Mais les températures, elles sont glaciales. Sous un petit 3 degrés, ça va qu'il y a le soleil qui... Il couvre tout le soleil, il carie tout. Oh, les jambes là, oh là 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 là, gelé, glaçon. Et regarde, regarde, tout dans le déhanché, hop, 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 allez. Regarde, on va même pas le sentir, Donan. Voilà. Mec, j'espère que vous allez bien. Dites-le si ça va pas, dites-le les mecs. Noël, J-4 ou J-3, je sais plus trop frérot. Là on est le petit GTD. Magnifique. Putain, GTD frérot, deux daronnes insolentes, elles reviennent du Scrabble. On est le 21 novembre ou 20, je sais plus. Non, 21 novembre. C'est Noël, bientôt. J'espère que tout le monde va avoir ses cadeaux les frères. Alors, hop hop hop. Alors aujourd'hui les mecs on profite hein. C'est un titre un peu triste mais c'est ce qui se passe dans la vie les mecs. Je vous en parlerai plus en détail au fur et à mesure de cette vidéo parce que j'ai pas trop envie d'aborder le sujet maintenant. On va faire la course avec le bike. Et je crois que je les fume tard. Bon regardez, le soleil il donne la pêche. Je vais pas vous mentir, le soleil il donne la pêche là quand même. À fond de charge là. Les mecs, il reste plus que 2 jours à ce mini challenge vraiment tout petit de une vidéo par jour. Du coup mettez 2000 likes et nouvelle vidéo demain. Et après ça sera Noël. Donc voilà. Qu'est-ce qui tracte derrière lui frérot? Un sapin, carrément un sapin. C'est le rapport, tout dans le passage de l'embrayage. Bon, faut quand même profiter de ce soleil majestueux. Majestueux si je puis dire, hein, entre très gros guillemets. Alors on va peut-être se prendre du plomb, frérot, parce que ça m'étonnerait pas que là, sauvagement, un petit garde champêtre vienne m'operculer l'anus à coup de cartouche. On verra bien, ça fera... Dans tous les cas, ça fera plus de vues.
Regardez, petite balade en forêt, très aisément, aisément frérot. Oh, en plus il y a du monde. Un petit garde champêtre. Ah non, c'est des gens qui se promènent mais qui mettent pas leurs chiens avec des petites laisses. Alors ça vraiment c'est un débat très philosophique. Le chien avec ou sans laisse. Moi je sors ma copine, les mecs, je lui mets son petit collier. Non mais si on part de ça, on se met tous clair d'un coup. Regardez comment c'est beau. Maman, ça je te le retournerai bien avec un cross. Hein. Tu vois la nature, je la kiffe. Mais autant en profiter. Genre en mode tu sacs dedans comme il faut avec un 4,50. Bah qu'est-ce que tu vas abîmer frérot? À part retourner de la terre, dis-moi. Non mais franchement, qu'est-ce qu'on va abîmer? Je sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille. Ça se trouve, elle sera volée. Tu bouges pas. Petit. Faut pas que je respire parce que à skip le micro, il est vraiment pas bon. C'est quoi ça, frère? Ah mais non, ça c'est les balises. Genre t'es là, tu joues, t'es en CM2 frérot, tu fais des courses. Ah ouais, lui était en train de pisser tranquillement. On se fait un petit canard ce soir. Allez, allez. Mais non. Ouais, non. Promis les mecs pour 2022. Premier investissement. On s'achète une bête. Il y a un jeune malinois, frérot, il va me croquer. Merci. Ça sert à rien de me regarder comme ça avec tes vieux cheveux là. T'as un coup petit œuf, tu pars avec moi. Karma, je vais tomber. Mais c'est ça, j'ai une visière teintée, je vois que dalle. C'est génial, j'adore la vie. Ouais, je suis maintenant avec un AK-47 derrière, ils veulent tous me faire. C'est pas ma vieille derby qui va vous niquer la forêt, je suis sur une route en plus. Qu'est-ce que tu viens de péter les couilles? Je suis à 37 km/h, à part faucher un lapin, je sais pas ce que tu veux que je fauche. Hein. Oh, par contre, là, mon pote, j'ai déjà fait de l'enduro avec la derby. Hein. Donc ça va passer. Voilà, oh, là, là. Hey, sans aucun souci. J'ai plus de main. En fait, l'air il est trop froid, donc dès que tu roules vite, ça y est, t'es mort. Bon, les potes, vous avez des projets là pour 2022 un peu là? Ça dit quoi là? Ah, je me serais bien tapé, tu sais quoi, une crêpe au Nutella chauffée, frérot. Oh là là, elle aurait été insolente sous un bon petit soleil là. Bon, sinon, ça barre tranquille, hein, ça fait la petite dernière sortie. Ça me fait un petit passement au cœur, mais ça va. Elle va être remplacée. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'être en vacances, c'est un truc de ouf. Ouah! La jeune montagne. Y'a que chez moi je crois, y'a des montagnes comme ça, c'est un truc de ouf. Mais je crois que si ça dépasse genre 30 cm, le Dodan il est pas légal. Bon après vas-y, c'est trop compliqué à le faire démonter, mais je pense qu'il y a moyen de le faire démonter. Putain, il faudrait mettre un petit chauffage à main là, un petit chauffage à gants là. Je suis sûr que c'est possible vrai hein. Mamie, maman. Mais de rien, regarde moi ça, il dit. Et on dirait Sosomanes, il dit merci à tout le collègue. Roi de rage. Un gros roi de rage là. Ça c'est beau, c'est un petit range fou là comme ça. Oh c'est mignon. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt tendus aujourd'hui les gens, ils sont chauds du cul hein. Ça y est, c'est les fêtes qui approchent là, faut faire les cadeaux. Mais quand tu vois que le litre il est à 2€ quasiment sur Paname, je t'inquiète, on va pas faire de cadeaux nous. Je vais t'offrir une carte totale à la limite. Ah c'est mignon ça comme cadeau. Tu veux quoi? Je veux une carte totale frérot. Ouais, ça serait con de me mettre en civière avant Noël. Oh mais non. Ah bah c'est ça. Ah ça c'est vraiment pas fun. Encore tu m'aurais fait attendre au soleil. J'aurais pas dit non. Et comment vous faites? Vous regardez. Si je freine pas elle va. Au pire je mets une première. Oh non la flemme. Ça casse les couilles. Ah les mains. Allez vas-y s'il te plaît réchauffe-moi. C'est mon chauffage mobile. Ça va partir là non? Imagine t'as un deuxième train là. Bam. Une boucherie. C'est mignon. En fait, décorer sa maison Noël, comme t'en as qu'un qui le fait sur 40 voisins, bah limite ça sert même plus à rien de le faire. Et je me baladais tranquille comme ça, sans mon poney. On va faire des petits remixes. C'est plutôt mignon ces petits coins là. Putain, ça tourne ici hein. Ok, celui qui me découvre le titre, enfin de où provient cette musique, gagne 50 balles. Pour Noël. Na ni na 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 na. C'était une série. T'inquiète, je t'ai vu René. Not souci my friend. T'inquiète, bonjour René. Oh putain, ça c'est un peu les routes isolées frérot. Y'a jamais personne dessus. Tu viens avec ta caisse, c'est le mini rallye ici. Ah ouais bah faut être dans les tours aussi hein. Par contre, il y en a un qui arrive là devant, c'est la merde. Hop! Pas mal là pour sauter là. Wom, là tu vois rien là. Un trou, ma gueule par terre. Je vois rien, je roule à l'aveugle. Il y en a qui vont changer un peu de bécane là pour 2022. Est-ce qu'il y en a genre tous les ans? Ils changent soit de bécane, soit de voiture. Pas forcément quand c'est la nouvelle année cash, mais genre chaque année, genre ils changent. Par contre, si chaque année tu changes de 50, ah mec, c'est que tu pèses dans le game hein.
Oh, ça c'est mignon ça, la petite famille de Rennes. Par contre ça, waouh, faut l'électricité derrière pour le payer. Hein. Quoique, ça consomme rien, c'est du LED. Oh sa mère, j'aimerais bien un petit chauffage. Salut René. Je dis bonjour, il baisse les yeux, je suis aussi imposant que ça moi. Je me demandais aussi depuis que j'allais à la salle. C'est ici qu'on a fait la jeune vidéo avec la MT9. Oh non, il fait trop froid, j'ai la goutte. Je suis sûr il y a des bails un peu sexuels là-dedans, si tu vois ce que je veux dire. Ils se font des petits dates et ça part en 20 balles, promotion de Noël, je te la fais à 15 balles. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, I'm about to write it.